Salut à tous les amis, c'est Dark Angel 1462 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 7. Donc, on venait de faire les vidéos interdites. Nous allons faire Ethan doit mourir. Alors, Ethan doit mourir, qu'est-ce que c'est? Disons que tout est dans le nom. Ethan doit mourir absolument. Par tous les moyens, il doit mourir. Donc, pour cela, il va se retrouver avec un couteau et il va devoir chercher par lui-même dans des caisses des armes, des fournitures, etc. Donc ce sera plus à récupérer sur des établis, sous des placards ou autre. Maintenant, il devra casser des caisses qui peuvent être piégées, comme avec Lucas. Et les caisses auront une, deux ou trois étoiles. Enfin, plus il y a d'étoiles, plus vous douterez que les armes, enfin les provisions qu'il reçoit seront rares. Et donc, pour tout ça, il doit aller tuer Marguerite dans la serre, mais pour accéder à la serre, il doit rentrer dans le manoir, où il n'y a qu'un seul chemin disponible. Avant, on se promenait dans l'aventure à gauche, à droite, où on voulait. Là, il n'y a qu'un seul chemin, et bien sûr, il y a des monstres sur la route. Il doit récupérer la clé située dans le salon des Baker, revenir dehors, et aller tuer Marguerite, donc forcément. Et bien sûr, il y a des pièges, les ennemis one shot, tout ce que vous voulez, etc. Donc, c'est le méga mode de la mort qui tue. Soi-disant, Capcom a même dit que très peu de joueurs arriveront à le finir. Ils peuvent très bien comprendre. D'ailleurs, je crois que c'est écrit là, à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà. C'est impossible, c'est complètement craqué. Il n'y a pas de honte à penser cela. Pour la plupart des joueurs, ce mode est impossible à compléter. Si vous ne pensez pas être le lui, vous ferez mieux d'abandonner. Mais si vous pouvez faire l'impossible, la gloire éternelle vous attend. Donc tant mieux à vous si vous y arrivez, moi j'essaie. J'ai déjà fait un essai tout à l'heure avec un couteau, je suis arrivé très loin avec un couteau, malheureusement je me suis fait tuer comme un con, j'ai envie de dire. Et j'espère bien dépasser ce niveau et réussir à aller plus loin. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, on commence au niveau de la maison de Marguerite, et maintenant le but c'est d'aller dans le manoir. Bon, il n'y a pas de bestioles dehors, vous voyez, il y a beau ciel rouge. Est-ce que c'est normal ça? La caisse n'est pas normale. Donc là, mettons, si je la coupe, si je la casse, à mon avis j'explose, on va essayer. Voilà, gagné. On comprend mieux le principe, ça va faire mal. On recommence. Allez, on essaie d'aller loin. Alors, je vous ferai pas une heure de vidéo. Hein. Pas arrivé non plus. Ah oui, donc quand on meurt, il y a un petit ange, l'endroit où on est mort. Et quand on casse, un objet aléatoire de la partie précédente, donc là où on est mort, vient s'ajouter à l'inventaire. Donc ça peut être une arme ou n'importe quoi. Un objet aléatoire de ce qu'on avait. Vous pouviez très bien avoir trois armes et un soin, et finalement vous vous retrouvez avec le soin, quoi. Donc on continue, c'est parti. Ça, c'est bon! Je le dis, il n'y a qu'un seul chemin possible, hein. Après, c'est que du vide. On essaie de pas se faire attraper. Ça sert à rien de s'amuser à tuer tous les monstres, on n'y arrivera pas. Je suis un fou, moi, j'ai avec mes couilles et mon couteau. Là déjà c'est plus intéressant. Là il y avait un ennemi, je l'ai tiré dans le piège et voilà, maintenant je vais récupérer tout ce que je veux. Un fusil, oh joli. Un deuxième fusil, mais c'est pas beau ça. Deux fusils pour le prix d'un. Qu'est-ce que c'est comme fusil aussi?
Les deux fusils. Donc ça, je vais le dépenser, je pense, ce fusil-là. Et le fusil de coup, je vais le garder pour Marguerite, vu que c'est le plus puissant des deux. Allez, on continue. Comparé à la partie précédente, il n'y a pas photo. J'ai des armes là. Et on s'en fout, de toute façon on meurt en one shot alors. Allez, on se dépêche. Parce que là derrière j'ai un monstre au cul. Alors, pour éviter ces pièges là, on n'a pas le choix, faut courir. Je vais juste garder celui-là, vous verrez pourquoi après. On continue, on court. Pour esquiver. Alors là, il n'y a pas d'ennemi normalement. Oh, l'art de se défendre. C'est-à-dire que maintenant, pourtant ça, mais ma garde est plus efficace. Donc ça va être bien. Et un stabilisateur. Oh oui. Ah, là, je me régale. Quoique la première partie que j'ai fait en off, je suis dégoûté parce que je suis mort, je sais plus comment. Ah si, je sais. Ah vite. Attends. Non. Il a failli m'avoir le mouton, non. Ah non. Donc je disais, la première partie que j'ai fait en off, quand j'étais vraiment arrivé loin, je me suis fait avoir par des poutres, vous verrez après. Et ben, j'étais un peu dégoûté, un peu comme ça. Ok, je suis dégoûté. Je suis mort alors que j'avais le Albert 001 ou je sais pas quoi. L'Albert, j'avais l'arme l'Albert quoi. Et en plus j'avais des munitions améliorées, je me suis créé des balles améliorées, je butais tout le monde avec. Je suis vraiment dégoûté d'être mort à ce moment-là quoi. Parce que l'arme la plus puissante du jeu quoi. Ok, j'ai eu qu'un un fluide fort. Trouver la clé dans le séjour. Je vais y aller mais c'est fermé. On s'en fout. On s'en fout, c'est une étoile, c'est que des soins, des fluides. Vite, 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 vite. Oh, il est juste derrière. Fluide. Il faudrait une poudre. L'Albert machin ou bien une arme quoi, un gun. C'est la même partie ou quoi que je suis en train de faire là? Je me pose la question. Mais genre, mais maintenant quand j'aurai un doute sur une caisse, je tirerai dedans. On est chaud. Hop, on continue, on fait la même technique, ça passe super bien. Ça, je dis oui. En fait, je suis en train de me refaire la même partie. Sauf que j'avais un stabilisateur. Ça m'évitera de one shot. La vie est améliorée. Enfonce. Je l'ai eu. Hop, on continue. Récupère des cartouches de fusil. Et ça, par contre, ça pue du cul. Et voilà, ça me semble bizarre, une caisse à 3 étoiles ici. Alors ici, on l'attire. J'adore ce mode en fait, même si je fais que mourir par moment, mais
Le fait d'avoir la probabilité d'avoir certaines armes, quoi. Autant sur la vidéo d'avant que j'avais faite, je me suis retrouvé au couteau et là, je me retrouve avec des flingues. Ah, et de la poudre. Alors là, ah, il me faudra un pistolet aussi. Si j'ai un pistolet, pourquoi pas? Allez, viens, mon coco. Dégueulasse, là tu dégueules partout. Ok, on continue, on est bien. Donc là c'est des petits passages légers, je peux y aller au couteau. Ah oui, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, qui m'ont suivi sur Twitch. Souvenez-vous de cette salle où je n'ai pas pu aller parce que je n'avais pas une seule arme ou deux balles. Alors là, j'ai dit oui, couteau de survie. Je vais jeter l'ancien couteau. Vais prendre ça. Je sais pas pourquoi je sentais que ça allait exploser celle-là. Ça sent super bon les amis, tout ce que j'ai. Et Coco, je suis là. Oh, si je pouvais arriver à Marguerite, déjà ce serait beau. Allez. Continue, on est bien. Ouais, on se les fait tranquille. Non! Et voilà, c'est la dure réalité de ce mode. On meurt en une fois. Pourtant, dites-vous que j'avais les stéroïdes. Jolie mitraille, c'est la première fois que je l'ai. Ah, ça c'est beau. Il y a tellement de caisses, il y a tellement de caisses, j'ai pas envie de prendre de risques. C'est la bonne. On continue.
Je suis gâté en soi, mais ça me sert à rien. Je préfère avoir des balles. Allez. Et j'ai une mitraillette et je reçois des balles mitrailleuses. Allez, c'est pas beau ça. Deux chargeurs. Bon, allez, ça va faire mal, les gars. On va voir ce que je peux faire. Bon, rien d'intéressant, on va voir après. Quelque chose, cool. J'ai pas vu ce que c'était, j'ai pas vu. Allez, un truc bien, un truc bien. C'est pas mal, ça aide. Allez, go! On y va, on y va. J'ai fait le plus dur. On y va. Sérieux? Ensuite, c'est la première fois qu'elle est vide cette pièce. J'ai gâché une balle. Je dis oui. J'ai eu peur, je crois que c'est un peu juste. Hein. D'où il sort lui? D'où il sort? Comment il m'a surpris là? J'ai cru que j'allais. Ah oui, il me passait l'autre sous l'autre.
Ah, désolé, fallait que je me concentre parce que là, franchement, ils étaient durs à battre. Alors, inventaire. Ah, c'est pas le bon fusil, mais tant pis. Je vais le garder. Au revoir le liqueur. Voilà, la première fois j'étais mort ici. Alors j'avais eu vraiment de la bière et puis juste ce couteau. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, on continue. Ah merde! J'ai pas compris. Une pièce piège. C'est pour ça que dans mon ancienne vidéo, là, celle que j'ai faite avant, j'avais marché sur le piège exprès. Ça, c'est un piège. Et voilà la preuve. Allez. Ah, j'ai que des soins, c'est pas possible. J'ai vraiment que des soins, quoi. Parce que là j'ai pas le pouls, j'ai que des soins.
Non mais hey, c'est pas possible. Trois grands soins et deux petits, quoi. C'est déjà mieux ça. Je le savais, j'avais vu que c'était une fosse. Couteau de survie, c'est pas mal. Par contre, dans l'ensemble, ça va être chaud ici. On va bien voir. J'y suis arrivé, la chatte. Oh non, j'étais assez éloigné. Piège. Casse un piège. C'est foutu. J'ai de la chance.
Allez, on est chaud, on est bon. Là, je kiffe par contre, hein. Je prends mon pied là. Au revoir le mutant. Voilà, débarrasser du lourdeau dégueulard là. Joli. Allez, on continue, on est bien. Ça c'est fait, c'est bien, c'est beau, c'était propre. Alléluia. Ah, des munitions améliorées en plus. Hey, on va se priver là.
Allez, je ferai plus la même erreur. C'est que je suis gâté en munitions améliorées, c'est lourd. C'est tous des colis piégés en fait, j'ai vu. Plus il y avait des mondes partout, laisse tomber. Celui-ci est beaucoup mieux. Jack s'est fait tuer par ses propres armes. On est pas mal. On va attendre qu'il se fasse massacrer. On continue. On jette ça, on repart.
Ça fait plaisir, j'ai envie de dire. On y est presque, hein, quand même, j'ai envie de dire. Ça, c'est du pompe. Balle améliorée, ça sert à ça. Oh non, il me le faut. Allez, on prend la clé, on va buter la vieille. Ok, je l'ai repéré. Ce sacrifice de merde. Mais non, pas maintenant. Putain, il y a la machin qui me tirait dessus. Putain, c'était chaud là.
pourrais m'en mettre longtemps cela. Putain, j'ai vu la voir mourir. Oh non, je suis mort. Et voilà les amis, on va s'arrêter là, je pense qu'on y était presque. Merci d'avoir suivi un peu cette aventure vite fait sur ce mode. Et moi je vous dis à bientôt, et sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye!